Messieurs, dames, jeunesse, ça, bon Dieu, ça va avec moi pour dire nous prenons courage avec patience. Pas fait tout mal pour son baguette. Par ailleurs, l'autre monde pour ça posséder. Bon Dieu, tant de voix, jeunesse haïtienne. Et le Saint-Esprit de Dieu brille dans le cœur nous comme une étoile. Bon Dieu, montrez-nous. Il va délivrer nous, retirer nous dans des airs, même Jean, avec Ismaël. Et moi-même, pas trop longtemps, ma vie chaîne masse là, avec une belle petite madame. Moi, ouais, dans l'église. Je viens avec là, la moune pam, et ma pote le ban nous, m'a fait le fond déclaration. Avec le temps, même c'est passé le peuple là, et le peuple là doit connaître tout détail dans la vie, comment je vivre, comment je fais pour me vivre, comment je fais pour manger, comment je dormir, qui travaille moi fait. C'est vrai, je ne pas madame, je pas petite, mais je pense que année ça, mon Dieu, pas mon belle petite madame. Qui te mettre mon petit guave, mon cafou, je suis venu quand même. Et là, on a chômage, c'est dans des oeils. De vous baguer dans le poche et dans des oreilles. Même sentiment, même fou, pas venir mon. De vous baguer dans le poche. Et bien, Ismaël est devenu grand. Ismaël est devenu le père de la nation des musulmans. Et tout musulman est dans Ismaël, il est sorti. Et il est grand, il est riche, il est prospère. Question de vous dire, génération par nous, nous réclamer la bénédiction de Dieu sur Haïti. Et je ne peux pas cesser pour dire nous, délivrance, mon Dieu, promette-moi, c'est un combat qui est dans deux dimensions, lié à la fois spirituel et politique et économique. La politique, comment nous sommes sortis de la situation politique? Bon, travail, libération spirituelle, la fête déjà. Toute puissance apocalyptique qui prend place parmi nous déjà. Et moi, ouais, un aigle blanc qui découvre le pays en Baselli, moi, une lumière brille comme une étoile. Moi, ouais, en pile de puissance comme le lion de David. Moi, ouais, un bœuf aussi qui c'est le symbole de la prospérité. Et un bœuf qui c'est le symbole de l'économie, de la prospérité. Haïti établi aujourd'hui dans l'alliance qui sainte. Et bon Dieu promet nous un âge d'or, de progrès et de bénédiction. Deuxième dimension, c'est la dimension politique. Et grand pile leader protestant par l'obligé devenu leader politique. Tout. Parce que dites-moi ce que vous voulez. De pouvoir m'intéresser à bien-être des gens qui vont à côté, eh bien, il faut entrer dans le combat. Non, et ça m'a demandé un peu d'engagement. Et l'engagement, c'est oser dire ce que l'on pense. Ce n'est pas si compliqué. Tant que moi-même, de garder Haïti de fond en comble, moi, ouais, c'est mon pays qui est viable. Son territoire qui est désertifié. Son pays qui a mouru lentement. Et moi, je me rends compte que les menaces existent en spam. Livrer un message d'espoir, de paix à la communauté, jeunesse qui a souffert. Et moi, je joins messagement dans Genèse chapitre 21, verset 17. Il dit, et Dieu entendit la voix du jeune garçon. Et l'ange de Dieu appela des cieux, Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Dieu a entendu la voix du jeune garçon là où il est. Dieu appela des cieux, Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Dieu a entendu la voix du jeune garçon là où il est. Ma rappelle nous dans quel contexte parole ça te dit. Agar c'était servante Abraham. Abraham était comme madame qui est Sarah qui pas fait petit monde. Pendant Agar a servi dans caille et Sarah dit puisque m'pas fait petit monde, commencer vieille coucher avec servante là peut-être va gagner un petit monde qui fait. Et vrai, quand il y a son fait, il y a les Ismaël. Mais le servant là, c'est lui-même qui est petit. Madame Marie n'a pas petit. Il vient à gonfler l'école sur Madame Marie. Peut-être la faire rebelle. Et il pensait qu'il prend espace, tout héritage d'Abraham pour arrêter pour Ismaël, qui est petit, servant là. Eh bien, et à Sarah, pour une résolution, il dit si c'est comme ça, on ne peut pas continuer à être dans la encore. Est-ce que vous comprenez là? Okay. Dégageons Abraham, mettez servante là dehors avec toute petite fille. Et c'était douloureux, une décision difficile pour te prendre. Servante là obligée. Dans les temps antiques, servante était considérée comme des esclaves. Eh bien, Sarah obligée de prendre Timouna avec une couche de l'eau, de quitter Kaela, sans le bâton de côté de Bali. Alors. Et la situation était vraiment douloureuse pour lui, il était brisé cœur. Et Sarah a pris un désert. En Israël, la moitié de la population juive est les Negev. C'est désert lié.
un espace désertique. Ça veut dire, l'histoire biblique la raconte, il y a une géographie pays qui confirme ça qui est écrit. Okay. Et ça a comme un pont de tête qui est dans le désert avec la civilité là sous lui, sous mer, sous bras. Pendant le désert, il n'y a pas de l'eau pour le bois. Et brusquement, il tendait une voix qui n'est pas une voix humaine, une voix surnaturelle qui retentit, qui dit qui sont gagnés Agar. Moi, j'entendais cri jeune garçon, petit garçon là, et m'a montré comment vous faire pour vivre. La morale de l'histoire, c'est que Dieu ne restera pas indifférent au désespoir de la jeunesse. Je dis en Haïti, comment nous comprenons l'histoire ça? Nous gagnons plus que 4 millions de jeunes qui ont âge de travailler, qui sont en chômage. 4,8 millions de jeunes qui ont âge de travailler, qui sont en chômage, qui ont dormi mal, qui ont mangé mal. Ils vivent dans un pays en situation de désespoir amer. Oh, la cherté de la vie. Mais mon grain d'or, il y a des côtés qui vendent 15 dollars. Un grain d'œuf, il y a des côtés qui vendent 10 dollars. Si ma mère dit, on s'achète spaghetti qu'on a acheté pour 10-15 dollars, qu'on est obligé d'acheter 25-30 dollars. Chômage touché, plus que 40% de la mi-temps jeunesse. Les politiciens n'ont pas de réponse à la situation. Ça. Et ma dit, nous tout au passage, moi, c'est professeur à l'école. Mm-hmm. C'est professeur de, de maths. Ça, et pour bon, c'est pour faire pas bon. Il n'y a pas de madame moins net, mais on connaît. Et tout tiré, mais souvent, il a débouché sur gros bagaille. Ah, ça veut dire que tu peux te marier avec elle. Pardon, comme Marie. Ouais. Alors, je ne vais pas trop arrêter sur le sujet. Oui, ça. Oui, oui. La parole lui a dit qu'il faut appliquer pour un programme Biden. Est-ce que c'est lui qui a appliqué pour nous? Non, ça c'est famille pas moi, qui c'est encore un pour moi, qui a appliqué. Dans le programme Biden. Et là encore, mon petit contrariété, c'est que depuis, je suis capable de dire plus qu'un mois, je vais faire passer à moi, je vais jamais faire moi. Pourquoi appliquer parce que faut donc où il veut ou après trouver ma ménage comme ça. Non, je ne vais pas courir des gens qui t'écrasent ça, qui t'est allé. Je ne vais pas faire ça. Il faut nous ouvrir tête nous à une nouvelle aventure. Et moi, je suis d'accord pour aller dans une nouvelle direction. Les gens qui ne peuvent pas changer de direction, ce soit fou ou bien pas de tête. Est-ce que vous d'accord, Jean-Dino? Oui. Alors, je dis tout le monde qui est dans le monde, 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 qui est devant, qui dans la direction. C'est comme ça qu'on va éviter la folie. Et Ariel ne comprend pas la souffrance de la jeunesse haïtienne. Pour moi, et par contre, comme il n'a pas fait partie de la même génération avec nous, ça veut dire nous ne sommes pas les mêmes gens, Ariel fait partie de sa relève ancien politicien et moun, c'est comme un tyran, il a le comportement d'un tyran, il gouverne rien et pourtant il veut rester au pouvoir. Il pas changer la vie pièce moun, il pas gain souci pour changer la vie pièce moun, il veut rester au pouvoir. Pourtant, il aurait mieux fait de rester dans son cabinet de médecin parce que lui-même, il c'est un neurologue. Ça veut dire lui-même grand pile vertu scientifique, grand pile connaissance scientifique. Mais si c'est pour situation, phénomène, Haïtia, il n'y comprend rien. Et peut-être un jour, il va perdre sa vie. Ariel pourra même perdre sa vie. Okay. Et je ne dis pas qu'il va mourir parce que direction, peut-être plus mal, parce que il n'y pas comprendre situation Haïtia. Je dis à la jeunesse haïtienne, non, souffrance amère, non, désespoir sans pareil. Et c'est là encore vraiment des jeunesse. Communauté universitaire privée d'État pour nous participer dans le processus changement libération société. Et moi, je me rends compte que son jeunesse, son pays qui a mouru parce que connaissance pas développée suffisamment. Pensez, nous, pays, il n'y a pas de philosophes, il n'y a pas de savants, sont des raquetins, on a un vieux grand vieux pasteur protestant qui a fait bruit, qui n'a pas développé l'intelligence suffisamment. Et il y a un pays qui est allergique. Avec innovation, avec connaissance, avec changement. Merci. Merci.